émission préférée, Mandicodé, sur Mandico Télévision. Alors, ça s'annonce bien, n'est-ce pas, Maria? Ah oui, en mode tabaski, en mode mousseline, ah, musulmane. Oui, nous accompagnons les musulmans parce que l'édification, ça sera sur la fête de tabaski. Giscard, fais-nous plaisir au rythme de musulmans. Nous voulons danser, nous voulons ouvrir Mandicodé, n'est-ce pas, avec bien une sûr très belle chanson oui. musulmane. مرحبا وسهلا كل من محلا هذا العالم اوسع بتنوعنا واحلا زينا المباني حققنا الاماني عيش اللحظه معنا ودندني ودندني الملعب جمعنا يلا غنوا معنا نغمه عربيه وهيا هيا 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 ويلا تهيا بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا يلا نلعب سويا que oui, non, c'est Lisma Fouta. Voilà, alors bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue encore une fois de votre petit déjeuner Mandicodé de ce jour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est encore mon jour. Ah oui, c'est encore ton jour, aujourd'hui c'est ton vendredi et encore. Tout à fait, Myriam Koba. Alors, il est vraiment très important de garder son sourire, peu importe les circonstances de la vie, bien que l'Église, la Compassion et la RDC en général, nous sommes en DE, n'est-ce pas? Nous avons perdu une grande femme d'un grand pasteur de notre pays qui nous a édifiés, qui nous a fait convertir, pourquoi pas? Et il a amené des âmes, beaucoup, beaucoup d'âmes au Seigneur Jésus-Christ. Alors Myriam Koba, sans plus tarder, puisque nous avons beaucoup à faire sur notre plateau et nous avons beaucoup à dire sur notre plateau, on va déjà démarrer avec le menu de ce jour. Mais cela ne m'empêche pas de te demander si tu vas bien ce matin. Ah oui, je veux bien, non, c'est Lisma Fouta. Et toi, ça va, non? Je vais bien, Myriam Koba, puisque tu es là, alors je me sens bien. Ah oui, je suis flattée. Oui, hein, les musulmans sont connectés sur Mandicodé Télévision. Bon, on a mis son édro, c'est le tabac. Ah, en tout cas, Netolo Baraka Kaka Mandicodé, c'est l'émission de tout le monde. C'est l'émission de tout le monde. Zakara Yaba Chrétienté, Moun Kiba Musulman, vous voyez, que nous célébrons la tabaski également avec vous. Hein? T'as tout ça en mode hijab. Vraiment, et nous sommes invités le dimanche à fêter avec eux. Le dimanche. Oui, dimanche. Voyons voir. D'accord. Voilà Myriam Koba. Alors, le menu de ce jour.
Alors bonjour chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois de plus dans Mandy Codey, dans notre dernier numéro de la semaine. Merci d'avoir commencé la semaine avec nous et voilà que nous allons également boucler la semaine avec vous, nos fidèles téléspectateurs amoureux de Mandy Codey, la tranche matinale favorite de tout le monde, sans exception de tout le monde. Alors, de partout dans le monde en train de nous suivre sur streaming, sur TNT, sur Bluesat. Merci, merci, merci de toujours nous faire confiance. Alors, comme l'a dit Nancy-Alice Mafouta, nous avons beaucoup à faire ces matins sur notre plateau. Alors, nous avons déjà commencé par la musique musulmane. Alors, nous allons ouvrir Mandy Codey par la chanson du jour, qui est la chanson de la sœur Rebecca Boulaïma, Mupayana Mokili. Une très belle chanson, une très belle composition. Donc, tu es c'est ça, Mupayana Mokili. Quand Maman Laura et Mbaka, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Beaucoup de à Jérusalem. Donc, ce que Koufi, fin du monde, nous y en aïe. Éternelle. Bien sûr, on confie dans les seigneurs. Bien sûr. On va accepter le Seigneur Jésus-Christ. On va vivre éternellement, mais on a qu'à brouillard. Ce que on va vivre éternellement, on est bien. Donc, ici, il y a mon papa, parce qu'il y a mon père, grand-père et père avant. On confie aux anges repos et la rara jugement. Voilà. Alors, après, nous allons nous édifier ce matin, quand nous sommes dans le mode hijab, la fête des Tabaski avec l'imam Omari, qui est déjà dans Mandy Codey. Alors, il va nous édifier. Alors, bah, c'est quoi la Tabaski? Pourquoi est-ce que le musulman célèbre pour cette fête? À quoi ça sert? Restez branchés pour découvrir, développer la connaissance sur, en ce qui concerne plutôt, la Tabaski. Après, nous allons passer à l'actu en deux points, où nous allons aborder quelques points. Nous allons commencer par le décès de Maman Blanche Tounassi, la femme du pasteur Marcelo Tounassi. Et après cela, nous allons parler concernant la remise et reprise du ministère du plan de Monsieur Gulan Nyembo. Alors, le ministre du plan de Bassala qui est déjà remise et reprise. Donc, il y a eu l'élo avant de n'engouende naïe. Après, nous allons encore parler concernant à quoi servent le perle à la hanche, donc Mayakana Loketo, comme on l'appelle souvent les Baya. Le Baya, donc Mayakana Loketo, tout la taralatara, on boue, pour la nini. Les gens battent sous la linga, ils battent sous la zara pour, ils battent sous la zara contre. Les gens battent sous la barre. Quand une fille porte ça, une femme porte ça, c'est une femme moins sérieuse. Alors, tu es bas, n'as-tu en deux points à quoi sert également le baï avant Mayakana Loketo, tu l'attaques. Après, nous allons recevoir notre invité du jour. Et ce sera pour ensuite enchaîner avec les éphémérides. Nous allons parler concernant la journée mondiale de donneur de sang. Bateau va payer sa maquilla pour sauver des vies. Appeler sa maquilla sans pour autant attendre quelque chose en retour. Appeler sa maquilla juste pour sauver des personnes qui sont dans le besoin, qui veulent être sauvées. Et puis, nous allons parler concernant la journée internationale du procès équitable. Procès sans tricage. Et là, qui sait, tu auras seulement ce que tu mérites. Ceux qui osent à tort jugement, ils allaient prononcer en faveur de yo. En faveur de la fonction d'acte. Donc, si ils ont mérité aucune prison, ceux qui ont mérité, acquitté également. Alors, oui, nous allons. Tout le monde a droit à un procès équitable. Tout le monde, à l'exception de personne. Oui, aux allaient à tort, aux allaient à raison. Aux gens ont droit à un procès équitable. Ils ont raison, ils ont raison, ils ont triqué. Ils ont raison. Mais alors que non, le lieu de célébrer la journée mondiale du procès équitable. C'est-à-dire que ce soit quand même un droit à jugement, à mériter procès. Exactement.
Après, nous allons parler concernant le portrait du Bueno Vista, le site touristique Bueno Vista. Après, nous allons souffler en musique quand même sur les débuts du week-end. Même si toi, tu dis, nous avons quand même le droit à la musique, non? Vous également, la musique variété. À la chanson de Sherif Alouna, il avait le mot. Et ensuite, nous allons attaquer notre sujet de ce matin. Et ça discute. L'homme est-il naturellement infidèle? Question mark. Yes, tu n'es qu'il y en a, j'ai hâte d'entendre l'interface. Maman, on est là. Alors, ce sera ensuite pour laisser la place à la page publicitaire à toute personne qui souhaiterait faire passer son produit sur Mondico Télévision, sur Mondico Day. N'hésitez pas à nous contacter au numéro affiché au bas de vos écrans, numéro orange voilà. Ils ont WhatsApp, ils ont appel également. Mais pour intervenir dans le sujet du jour, Nabiso, écrivez-nous seulement, s'il vous plaît, n'appelez pas. Et ce sera ensuite pour laisser la place au bulletin d'information, histoire de nous informer ce matin. Et nous allons clore par le souhait d'anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, 14 juin. Voilà, c'est une façon pour nous de vous offrir un beau cadeau en vous souhaitant heureux anniversaire dans Mondico Day en ces jours du vendredi 14 juin 2024. Alors, la chanson du jour pour commencer en beauté votre petit déjeuner. Yeah.
Voilà, merci de nous regarder de partout dans le monde. C'était Mopane Amoukili, une très belle chanson de la sœur Rebecca Boulaïma. La sœur Rebecca Boulaïma, elle prie à l'église du pasteur Barouti. Voilà. Alors, cette chanson nous rappelle que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tout ça, on a mis les Kinzela. Un jour, mis au Petro Kende, et Nanamboka, Jérusalem, et pas à Papa Nabiso, n'est-ce pas, Myriam Koba? Bien sûr que oui. Donc, nous sommes tous de pèlerins sur cette terre. Donc, visiter Mokili. On fait ce que nous avons à faire. Comme l'autre fois, on a suivi de discuter avec le pasteur. Non, tout le monde a un but sur cette terre. Ah oui. Donc, ça doit accomplir ce pourquoi le Seigneur nous a envoyés. C'est ça. Et puis, nous allons retourner pour continuer notre vie, mais en vivant éternellement, mais sans ce corps de chair et d'os. Ah, c'est ça, nous devons garder dans notre esprit que, bien que nous soyons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ces mondes. Voilà, et cette chanson nous rappelle que tout ça, c'est un pèlerin. Tout ça va pèlerin. Alors, ceux qui m'ont accouffé à Sambela, Sambela, à sa pèlerin, on a le jugement, on a eu, on a eu, mais cette séparation, ça fait tellement mal parce que ton monde a sous-souté. Ton monde a sous-souté. Donc, séparation comme entre Bissona Baron, ton monde a sous-souté. Ce vide-là, en tout cas pour nous les Bantous, ça compte. Ça compte. Par exemple, il y a un peu de temps, 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 c'est insupportable. Oui, et ce qui fait encore beaucoup plus de mal, Mikolo, ceux qui m'ont accouffé, et que ceux qui célèbrent, rumeur, il y a un peu de temps, il y a un moyen de se défendre, mais il y a un peu de ça fait très mal. À comment détenteur à l'information dans les gens à publier, à lobby, à sans ce que pas respecter même bateau parce que bon, bien tant de son vivant, le même à Cambouana. Pourquoi tant en confus beaucoup de dossier où ils aillent et ils avaient quitté. Alors, paix à l'âme de notre Anouchka Loukoun, encore une fois, paix à l'âme aussi du pasteur Barouti, paix à l'âme de notre maman Blanche, Blanche Tounassi, et à tous les autres qui nous ont précédés dans la gloire, paix à leurs âmes. À Dieu soit la gloire. Voilà, alors Myriam Nukoba, on peut ouvrir déjà l'édification. Bien sûr que oui, bien sûr. Bien sûr que oui. C'est que l'imam nous parle concernant la tabaski. La tabaski. Voilà, mesdames et messieurs, allais-je dire, installez-vous confortablement pour savoir les détails sur la fête de tabaski. Suivant. Voir aux gens et leur expliquer la quintessence et l'importance de Tabaski. D'abord, c'est la tradition de notre père Abraham qui a eu la mission, l'autorisation émanant de son Seigneur qu'on appelle Allah en islam, d'égorger ou bien de sacrifier son fils unique qui était leur Ismaël. Ceci était dans le but de savoir si Abraham a atteint la foi. Parce qu'on ne peut pas avoir la foi ou bien la croyance si on n'a pas de turpitude, si on n'a pas encore de problèmes, de tentations. Il faut avoir d'abord des tentations, des turbulences pour que la foi soit maintenue. La tabaski, en arabe, on appelle al-udhiya. En français, on appelle la fête des moutons, comme tout le monde le sait.
Et majoritairement aujourd'hui dans le monde, le nom qui est familier, c'est Tabaski. Maintenant, en islam, d'abord, il y a le pèlerinage. C'est l'un parmi les cinq piliers de l'islam qui est obligatoire à tout musulman. Pendant ces mois de Dhul-Hijja, qu'on appelle en arabe le Dhul-Hijja, le 12e mois selon le calendrier linéaire, tout musulman qui a la possibilité d'aller faire le pèlerinage à la Mecque, il est obligé d'effectuer le pèlerinage en ayant une possibilité de faire aller et retour. Et le musulman, comme le dit dans le Coran, Allah l'annonce, il dit « Inna inda Allahi ithna ashara yawma » C'est-à-dire, dans la création divine, Dieu reconnaît 12 mois dans une année. Et parmi ces mois, nous avons 4 mois qui sont sacrés en islam. Et l'un de ces mois sacrés, c'est celui-ci qui s'appelle le mois du pèlerinage où tout musulman est convié d'aller faire le pèlerinage à la Mecque s'il a la capacité, s'il a le moyen. Le sacrifice a 3 jours. C'est-à-dire, si nous faisons le grand culte le dimanche, ça va se poursuivre le lundi et le mardi aussi. Donc, ça sera 3 jours de sacrifice et de prière. Mais on ne va pas oublier que c'est durant tous les 10 premiers jours ici que tout musulman est convié de faire les bons actes, de prier et d'être toujours dans les actions charitables pour faire plaire à son Seigneur. Donc, ce que nous allons d'abord annoncer et aider aux musulmans, il s'agit d'une obligation pour ceux qui ont des moyens. Deuxièmement, il faut savoir quel mouton, quelle bête qu'on va égorger. Il s'agit ici, pour le mouton par exemple, le mouton doit avoir 6 mois d'âge. Pour la chèvre, il faut avoir une année, c'est-à-dire 1 an. Pour la vache doit avoir 2 ans. Et pour le chameau, pour les pays comme Tanzanie, Arabie Saoudite, Égypte, le chameau doit avoir 5 ans d'âge. Donc, il faut savoir ça. Et deuxièmement, tout musulman doit connaître que l'animal ou la bête à égorger ne doit pas avoir des défauts naturels. La bête doit être sans défaut. Elle ne doit pas avoir aussi une maladie quelconque. Donc, on doit s'assurer de tout ça avant de faire le sacrifice. C'est ce que le prophète de l'islam, que je cite Mohammed, paix salut sur lui, il est en train d'insister pour tout celui qui a le moyen d'égorger. Et il ne le fait pas, donc il n'est pas important pour lui d'aller prier. Tout jeune qui a son moyen, quel que soit son âge, il peut toujours avoir la capacité ou bien la volonté d'égorger ou bien de faire le sacrifice. Parce que l'importance, c'est quoi? C'est que la première goutte, ou bien la première goutte, avant qu'elle ne tombe sur terre, celui qui a eu l'intention d'égorger est déjà pardonné. Donc, tous ses péchés sont pardonnés. Et avant même d'égorger, celui qui aura jeûné le premier, donc la veille, le jour qui précède, ou bien qui vient avant le jour de Tabaski, qui s'appelle le jour de Arafat, le jour de retrouvailles, celui qui jeûne ce jour, ses péchés de l'année passée sont pardonnés, sont effacés, et ceux de l'année prochaine sont toujours pardonnés. Quand on parle Tabaski, c'est la fête des moutons. Quand on appelle l'Aïd, c'est-à-dire le jour des fêtes. Mais en islam, nous avons deux grandes fêtes. Al-Aïd, Al-Kabir et Aïd al-Fitr. Al-Kabir, c'est que nous connaissons tous la fête pour le sacrifice. Et Al-Aïd al-Fitr, c'est ce que nous venons de faire pour la fin du jeûne de Ramadan. Il ne faut pas léser les gens parce que vous avez votre intention propre pour faire plaire aux gens. Mais si toute la famille se met d'accord, donc nous voulons faire le sacrifice au nom de toute la famille, là on peut se mettre d'accord et on fait le sacrifice parce que c'est autorisé en islam de faire le sacrifice d'un mouton, d'une chèvre au nom de toute la famille si chacun de vous n'a pas la possibilité de faire ce sacrifice seul. Et c'est obligatoire en islam. D'ailleurs, parmi les conditions, si je fais mon sacrifice, ce n'est pas pour que moi-même je mange.
les conditions, si j'ai fait mon sacrifice, je dois partager par trois parties. Et la première partie, c'est pour ma famille. La deuxième, c'est pour mes voisins, qu'ils soient musulmans ou non. Et la troisième partie, c'est pour les pauvres. Quand on dit les pauvres, les orphelins, les veuves et que sais-je encore. Vous devez avoir une bonne intention et vous devez respecter les conditions. C'est-à-dire tout ce que je viens de dire ici, vous égorgez pour plaire à son Seigneur. Donc, on n'égorge pas pour donner la joie aux gens. Et savoir respecter les conditions pour dire que si j'égorge aujourd'hui, ce n'est pas pour faire manger les gens qui ont plus de moyens, les invités des marques, non. Nous pensons plus aux gens qui n'ont pas les moyens et les voisins. Parce que les gens ont la mauvaise habitude d'inviter les gens qui ne mangent presque pas. Or, les gens qui ont plus besoin de manger sont là, on ne tient pas compte. On est béni, ça c'est premièrement. Et deuxièmement, les péchés sont pardonnés. Et troisièmement, on a toujours l'élévation dans le sens spirituel. On est élevé. Musulmans, nous avons profité de 10 jours Oyo, Yalukumu, Tosala Losambo, Tosenga Bolimbisi, Tolia Peto Kabola, et Loko Otoza Nangoya Muketo ya Munene, Nabai Bazanga. Pemutu Nyonso, Atala, Nyama Oyo Alingi, Asasaye Ponankolo, Azalo Lenge Nini. Il faut respecter bamboula to ba age oyo touti koloba awa na français pona même fois ala na 6 mois pona ntabe fois ala na 1 année pona ngombe fois ala na 2 ans pona chamo il faut ala na 5 ans penya mawana azala na kokoso moko te o bakata itoi o azana problème ya miso to abela maladie moko boye te de fois ala sans défaut na oyo. Si ma kosala sacrifice ko lia yo mon côté au kabola na famille na yo ba voisin na yo pe ba bazanga si ma condition ezali ko ya ko kata te avant okende lo sambo parce que ko bebisa sacrifice na yo sacrifice ezali ko ndi mama epa ya nkolo ezali sacrifice ya sima ko sambela prédication esili mate esili zonga na ndako sasa o sasa oyo obongisaki comme nyama nde eloka mutuya après bozan avantage pour opportunité oyo akozanga ko sasa premier jour c'est-à-dire dimanche azana opportunité ko sasa lundi pe mardi na ko respecter kaka mibeko nenge elongo bani to bosana pe ko kanga mukolo ya arafa oyo kutombena mukolo ya samedi arafa nde ezali jour ko le kaba jour nyonso ya mbula samedi wana oyo akokanga to akosala na jeune akosala bola mukolo wana ayebete masumu na ya mbula oyo leka na mbula oyo koya elimbisami epai ya nkolo voilà tosengela bamizima nyonso tozala na komikitisa to kanisa elaka to ezali oyo koko na biso Abraham asalaki na mwana moko avant azwa mwana ya mibale mwana moko wana alingaki asasa epo na nkolo me lokola nkolo azalaki na posa ya makila ya mwana Ismael te yango apesaki mouton kouta na kati ya paradiso mouton wana pe autaki wapi kaka na sacrifice o Kain na Abel basalaki Abel asalaki ya mouton Kain asalaki ya mabanga na bakoni me ya Abel endimamaki epa ya nkolo voilà losambo to bolamu nyonso bosalaka ekindaka pamba te mpona nini tala ndenge Ismail aye kozala na kozwa lobiko akomaki remplace na sacrifice oyo Abel apesaki yango kala c'est-à-dire nkolo abombelaka biso bola na maemasu tosalaka na nzela na ye bonne fête na bamizima banso. Bon retour sur le plateau des Mondicodeys. C'était long, n'est-ce pas? Oui, les détails sur la fête de Tabaski. Ça sera pendant 3 jours. Ça va commencer le dimanche 16 juin 2024, le lundi, ainsi que le mardi.
dimanche 16, dans trois jours, il y a célébration. C'est un événement, plutôt heureux, hein, célébré par tous les musulmans du monde entier. C'est très important pour eux. On dit Barobombanyama, au bazar, on va défauter. Car dans l'époque ancien testament, il y a Abel, voilà. On est conscient aux yeux, une premier né. Aux yeux, bon, au tali, que non, oh, le boucan, oh, azuka qui porte à kuna thé, faut penser que bien ni bétail, mon gosse vraiment parfait pour que offrande maillot, accepte. Voilà, alors merci de nous suivre et merci de rester toujours fidèle à ce programme de Mondico Day. Alors Myriam Lukoba, nous tournons la page pour parler à tu en deux. Bien sûr, bien sûr. Voilà, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour suivre la tu en deux points. C'est tout de suite et maintenant. Voilà, Myriam Lukoba, l'actu en deux points. Nous allons commencer par la mort de Maman Blanche Tounassi, la femme du pasteur Marcelo Tounassi. Nouvelle Oeningisi monde entier et attristé non seulement les Congolais, mais aussi les Africains et les étrangers également. Comment est-ce que cette femme, là, qui est vraiment une aide semblable de son mari, pour soutenir le ministère, alors cette mort inopinée a vraiment bouleversé beaucoup de gens, non seulement l'église Nabango, mais aussi du monde entier. Oui, oui. Mon tête de Vandaga, Ignacio, au moment où on a été, que maman Blanche Tounassi a couffé. Il y a des années à la nonne. On continue à manger. Mercredi, même en pleine émission. Alors, sa dépouille est comme qui déjà hier à Kinshasa, donc le jeudi hier à Kinshasa. Le pasteur est vraiment très, très choqué. Il est vraiment choqué. Il est moqué lors de sa prédication. On a là qui est sur YouTube. Il parlait à Koufé Laraba, Sindini, Santaranit. Par exemple, il y a la mouille qui est en train de dire sa femme n'est pas là, Banzota, la quitte, on est à vide. Et il vient de vivre ça. Il est en train de vivre ça. Alors, c'est vraiment un très choc pour lui. Il y a qu'au perdre moi, ce n'est pas qu'au monde, il y a qu'au yoka, rumeur sur la mort de sa femme. Donc, le boulot a été acquis, c'est ce qu'on a le preuve. Ah, Nzambé. Vraiment. Donc, vivre en Mosiko. Eh! J'imagine Calvaire Oiseau vivre en ce moment. En ce moment. Alors, lui et ses enfants. Oui, Maman Blanche Odia, Kandolo, Tounassi. Fin à monde, Naye Sukiwana, à qui est un monde, sous ce monde, il y a silence. Heureuse pour elle parce que elle est morte dans le Seigneur. Elle a servi son Dieu de tout son cœur. Elle a accompagné son mari pendant vie quoi. Donc depuis Babalana, elle a accompagné C'est ça, Tiki, quatre enfants. Hey, yes. Quatre enfants. En tout cas, que le Saint-Esprit, le Consolateur, a consolé la famille Oyo. On va perdre en tout cas, toutes nos condoléances à toute la famille Tounassi. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Voilà. Je me sens tellement mal jusqu'à présent, Myriam. Perdre maman. Non, non. En tout cas, la vie, à un moment,
la décision de vivre ou bien le choix de vivre dépend de Dieu, en tout cas, cœur de notre souffle de vie. Ce qui a le bitan noé koki kende kende, est-ce que sa volonté soit faite? Parce que Dieu aussi est capable. Kande mobile nassambia kende baba kikeli, il a pris son temps. Moi, c'est notre fille depuis 5 heures du matin, mais il a quand même pris son temps pour annoncer la nouvelle. Alors Dieu est capable et on sait que c'est. Mais lorsque Dieu a aligné Atiki misoka na suspense boyé, on peut pas dire pourquoi Dieu porte comme ça et tout, mais ma question là, ça ne manque pas. Pourquoi Dieu seulement elle t'est servie, elle était comme ça, mais la réponse dépend de Dieu, sa souveraineté. En tout cas, ma question est pourquoi sur ça les remarques, bien ma question pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi la réponse est moi en raté. Donc il y a à chaque fois que ça lui volonté na même si c'est très difficile. Très difficile, mais opposant, va s'en rater. Mais ma serviteur à maman. Oui, cette séparation a fait vraiment très mal à tout le monde. J'ai vu des réactions. Il y a des Africains qui passent ma casse. Mais ce n'est pas qui passe si bon, ce qui est concerné. Ah non. Surtout ses enfants. Ah, non, en tout cas, ils sont inconsolables en ce moment. Ok, ils ont dit que c'est ça. Ils ont pas mon collègue aux oies, ils ont battu ma mère. Les amis là étaient là en vain mon nuance. Donc ça aussi qui tantôt aussi viendra. Il va y en a tout, on peut pas tout aussi. C'est comme ça. Hein? Ah, c'est ça la loi de la nature. Alors nous compatissons avec l'Église la compassion et aussi avec les Congolais qui sont touchés par cette triste nouvelle de la mort des mamans blanches Tounasi. Donc lundi déjà enterré. Le dimanche, ils avaient mortuaire et le lundi enterrement, na tata Raphaël. Donc le lundi, le même lundi, corps rapatriement, il y a corps, il y a pasteur Barouti, Izoya. En tout cas. Vraiment, tous en deuil. Hein, tous en vraiment en deuil. Tous en vraiment en deuil. Alors que la gloire soit rendue à notre Dieu, le cœur qui est notre Père. Des vies. Toloba qui est en dans. Kola la, kola mkeza habitude. Kobima, kozo mkeza habitude. Donc, maman blanche abima qui en derrière, amboka zongi ya kokoufa. Anouchka lukuna bimaka, azonga ya kokoufa. Voilà, biso o, nza mazo pisa biso grâce. Obimi o zongi. Obimi o zongi peut bien. Sans accident, sans rien sans du tout. Sans rien. Et c'est aussi une façon de. Il y a conseillé Bissot que Tommy Ling, la Vascote, Oyebi, Moukoloté. Liwe, il y a qu'elle a raté. Crise cardiaque, pouf, au couffi. Je suspecte Christé, là, qui est carabo, au couffi. Donc, ce qu'on couffi, aux alaïques, dans ma soumou, on dit, mais là, qui est sauté comme ton Seigneur est sauveur, alors. Ah oui, en tout cas, ton milingue là, toi mon côté, ton manifesté, peu mon lingo na ba, oh ya biso, tant que baza en vie, Myriam Lukoba, au bal na elle, qui c'est qui mon lingo nyon, il aimait tellement sa femme, on est comme ça, moi c'est naïe, avec moi c'est naïe, à qui vraiment na qui mia, parce que à vivre mon lingo, à vivre nyon son, à vivre. Et ça fait encore très mal, il y a un moment là-bas, rumeur, Oyo, Bakbazo, le par-ci, par-là, concernant la mort des mamans blanches Tounasi. Bah, vous voyez, le côté, c'est quand même. Vous avez une belle, mais vous avez une affirmé, et puis. Bon ben, dit que ça, bah, commentaire, mais c'est bon, quand la banque a babé. Tu sais, ce jour-là, sur YouTube, il y a aucun canda. Si on a la colo YouTube, il y a bloqué, bah, la télévision, bah, tout ce soir. Ah! Le nombre de vues. Ah, c'est méchant en tout cas. Le nombre de vues. Bon, on est pèlera. Maintenant, mon toisin la façon na ya kokufa o na mokili o mususu par la maladie, mususu par ati. Non, mususu par alali ya kufi abeli petelo mon repeter alali kara. Ça ba ya zu moli monaye. Voilà, alors le souffle de visa non car elo mokki si la ranon kaka en quelques fractions de seconde. Et tous les amis sont fragiles. Pouf, tout est indiqué. Ok. Au sel et leur membre. Ok. Voilà. Alors, nous disons félicitations à notre pasteur Aaron Wagbel. Aaron Wagbel est consacré pasteur.
En tout cas, il y a Benza à mériter. À mériter, je te dis. Alors, Azokindi, pour quelques mois, on a un pays étranger pour servir Dieu là-bas. Mais il nous avait dit que Ortine de la Soba Fortuna pour tous les portraits dans le monde, dit Kodey. Ok, d'accord. Voilà, alors nous parlons également de spéciale remise et reprise de membres du gouvernement. C'était hier 13 juin 2024, dans différents ministères. En tout cas, moi j'ai hâte d'y avoir mon ami Sala et Banda. De quoi remise et reprise, c'est ça, la mission qu'on fait Banda? Non, tu as vu siège, là, et Missala et Banda. Ce qui va passer, c'est bon. Après, Missala et Banda, en tout cas, tu sais, nous avons un bon, on écoute à la poche, parce que tout le monde est bélé, à siège, on a déjà un bon, on a bon, très prise. Alors, bon, c'est le bon, c'est le bon, tout ça, c'est bon, tout ça, la nini. Tout s'est retrouvé. Tout le rapport sur Kenny Naliban d'abord raté. Tout le temps, tout le monde a un bon, on a mis ce pays au candidat. Tout le monde a un bon, on a mis ce. Voilà. Il y a des gens qui disent que non, il y a Joseph Kabila, ministre, il y a Félix Tshisekedi, ministre rebelle. Alors, ce qu'a dit le ministre rebelle, c'est pour que mon amour a exercé une fonction au Bacheli. Et ça, tu es président, il y a un occupé, il y a un président, il y a un occupé, le président, il y a un président, il y a Akita, a dispersé Batou Nanzela, ils étaient président et Mourazawana a quitté le ministère et enseignement. Ils étaient non, tant qu'à Tché Moutouna Moutou, le ministère, et ça pour que, ou assumer le ministère, ou Bapessio, pour que, bon, cannabis soit étambola, malam. On en a vraiment besoin. La population, alors, il a bien, non, bon, salam, salam, malam, pour qu'on vous félicite, pour que, tous à la peau, ça y a qu'on vivre, on a bien, on a bien installé, voilà, Myriam Moukouba, tu me dis, moi, concernant spécial remise et reprise, il y a. Je l'ai dit, moi, autant on est peut se conducter aucun endroit le bâti. Ah ben non, c'est quoi, tu n'es pas le bâti, tu es tu m'as dit que tu es là, c'était depuis. Tu n'es pas le bâti, investiture. Après, investiture, ça va remise et reprise. Non, mais tu es le bâti, tu es là, non, tu es là, tu es là, tu ah, c'est vrai, bah, nous qui bah, mais nous avons bah, pouvoir na bango moyeté. Mais si quoi, bah, bah, pouvoir na bango wana penza. Hein, et tant que ministre, il faut gérer le ministère na yo boy. Yango wana pesa maki. Investiture aussi et les cas qui. Bah, au cabinet gros, ça va membre à famille non, ne se baso chomité ou tché bango té, travailler na batunion, on a beaucoup de chômeurs dans notre pays. Voilà, alors monsieur VPM, oui, vice Premier ministre, il y a plan à remplacer Madame Judith Souminia. Il y a Zalaki, directeur, il y a cabinet, à chef de l'État. À remplacer. Donc il y a un directeur à cabinet sortant. Sortant. Donc Madame Judith Souminia, il y a plan. Sortante, lui, c'est entrant. Voilà. En tout cas, félicitations, M. Guilani. Ah oui, et tous, il a mis ça là. Ah oui, et tous, il a pu toi arroser. Arrosage. Madame, on n'a pas oublié. On n'a pas oublié, même dans le psycho, on va arroser. On a consulté. Ah oui. C'est possible. C'est possible. Et voilà, nous tournons la page pour parler de Mayaka, n'est-ce pas, Myriam Touba? Le Baya. Mayaka. Les perles, à quoi servent les perles à la hanche? À la hanche. Ça t'intéresse aussi, Myriam Lukuba? Bien sûr. Qui est le nom, ce homme? Oui, hein? En tout cas, ces gestes de beauté. Un geste de beauté. Comme une attirance sexuelle. Qu'est-ce que tu en dis, Myriam? Ah, non, un geste de beauté. Pour embellir les reins. Embellir mes reins. Bon, comme ils sont un bloc pour embellir tes reins et pour plaire aussi à ton partenaire, n'est-ce pas? On a consulté. Ouh, Myriam, elle est véridique, celle-là. T'as la taille montée, rien comme ça, embellit le reins. Oh, vraiment? Bon, je ne suis pas pour le piercing, mais le baya seulement. C'est ça. Piercing, là, je ne suis pas pour parce que non, ça l'a remonté. Mais que... porter les baya, oui. Parce que Nakala, maman, bandeau, la tsaba, n'a pas mis basinga. Mais si on a un peu de temps, on peut s'en rendre. 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 On pe
na fesse. Na fesse. Mais ce qu'on est commis pour la beauté, pour embellir ses hanches, pour plaire à son partenaire, donc une attirance sexuelle, si on peut dire comme ça. C'est joli, pourquoi vous êtes fatiguée là-bas? Oui, c'est ouais, les mayakas, les perles sont portées généralement autour de la toile, autour des hanches, voilà, des reins. Donc pour embellir, comme on venait de le dire, le tour des séductions aussi. Port, il y a la perle, ça communique, et ça vraiment une communication. Voilà. C'est l'ingangoumi. Oui, c'est l'ingangoumi. Alors vous adorez aussi ça. Pour attirer des hommes. Ah là, ça ne regarde que toi. On les a communication là. Mais plusieurs personnes, bah là, tarango, pour na combler. Pour les hanches. Na bango pour na combler. Bah rien na bango. Voilà, on a tous une bonne façon, une bonne raison plutôt. Yakula ta ba perle. Baya, maya kanalo keto. Keto. Voilà Myriam Koba, puisque nous avons déjà nos invités à recevoir sur notre plateau, on tourne la page. Pour les éphémérides. Pour les éphémérides, voilà. C'est fin pour la rubrique As-tu en deux points. Et on va passer directement à la rubrique éphéméride pour parler de deux journées mondiales et un portrait. C'est parti. Voilà les éphémérides d'aujourd'hui, vendredi 14 juin 2024. Mesdames et messieurs, retenez qu'aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale des donneurs de sang. Journée mondiale des donneurs de sang. Vous êtes donneur de sang? Oui, hein, votre sang vous permet de sauver de vies de gens dans le monde entier. En tout cas, nous vous célébrons aujourd'hui. Cette journée, c'est vraiment une manifestation qui permet de remercier les donneurs de sang volontaires bénévoles. Donneurs de sang volontaires bénévoles. Voilà, du geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang et de sensibiliser l'opinion à la nécessité des dons de sang réguliers pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité des sangs et le produit sanguin pour les patients qui ont besoin. Donc, nous vous remercions en ce jour du 14 juin 2024, cette journée qui vous est dédiée. Voilà, c'est exactement n'importe qui t'aime la copie. N'importe qui t'aime. Ah, c'est ça, c'est ma qui, sérieusement. Vraiment? Yo, pis ça, ma qui, là, Myriam? Té. Ah, on a donneur, té. Moi aussi, n'a ça, Nazaté, alors je suis. Moi, non, donneur. Ok, Aza. Yousa B. Moi aussi, je suis B. Ma bestie. Puis la vie. T'as un poisson à recevoir ma vie, mais on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas, en tout cas. Voilà, alors il y a de produits également, produits sanguins qui contribuent à sauver de millions de vies chaque année. Chaque année, il y a de gens qui ont besoin. Il y a Makila au monde. Un tel beau Makila, Bela qui Makila est si lié. Il faut appeler ça Makila. Voilà, alors jusqu'à il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image pour cette journée. Voilà, alors c'est grâce à la transfusion de sang qui aide à prolonger la vie de patients souffrant de maladies mortelles et améliorer leur qualité de vie. Hein? Donc, qui souvent les a utilisés, la transfusion, les a utilisés lors d'actions médicales, donc des actes plutôt médicaux et chirurgicaux complexes.
Makila wana ezaka utilisé dans des cas de maladie, de blessure. Il y a des gens pendant accident, lors il y a accident, bah perdra beaucoup de sang et bah ça a besoin makila pour besoin de savoir pour que bah prolonger vie na bango. Mais ça bah tu monsieur souba comment ça là collecter bah makila wana. Bah zo bah osenga bino bah ta bonne volonté wana pe bah au positif bah zo ken bah zo pe sa makila. Alors vous voulez bon ça là on peut donc gratuit. Sardine, quand on compare, on a maquilla, on a pêché, on a pu nous sauver, on a pu X, Y, avant de quoi la ville, on a besoin de guérison. Par contre, comment est-ce que ça m'a bien? Collecte votre bonne volonté, pêche maquilla, on a pu mais on a aussi, au lieu, on a pu pêcher gratuitement. On a pu pêcher gratuitement. On a pu pêcher commerce. Ce n'est pas bien d'exploiter les autres. Parce que alors, qui peut donner son sang si vous avez entre 18 et 70 ans et que vous êtes en bonne santé, ndé ko kopé ça makila na yo parce que makila na ko le kana na par examen apprendre ba ko kiko sauver vie à muntu. Voilà, vous pouvez donner votre sang à certaines conditions. Il y a vraiment certaines conditions. Alors faites attention à ne pas consommer d'alcool la veille du don et à avoir une alimentation riche en fer. Voilà, pour donner les sangs, il suffit de rendre dans un centre de collecte de sang. Et il est important de ne pas être engin car le don de sang peut fatiguer. Il est très important autant que nous puissions maquiller nos ala enjeter parce que après avoir coupé sa maquilla okoya ko kweya. Voilà, alors on va passer à la deuxième journée mondiale vu qu'on a trois invités à recevoir sur notre plateau, la journée mondiale et la journée internationale plutôt du procès équitable célébré chaque 14 juin différentes années. Alors aujourd'hui nous célébrons la journée internationale du procès équitable, donc chaque individu a droit à un procès équitable. On a risque à la victime d'une erreur judiciaire, qu'il se soit en tant que suspect ou innocent, condamné à tort ou en tant que victime incapable d'obtenir justice pour un acte répréhensible plutôt commis sous son encontre. Voilà, à son encontre, donc nous tenions sur Azan a droit et à justice équitable aux à la condamné, aux à la innocent, aux à la suspect. Voilà, vous en avez droit d'être défendu par un avocat. Oui, parce que malgré que commettre un crime, vous êtes toujours dans le droit. Même le criminel a ses droits que la loi doit respecter. Ah oui, d'être a les droits également d'être jugé équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un juge. Par un juge. Juge indépendant et impartial. Voilà, alors cette journée nous rappelle l'importance de continuer à lutter pour la justice et l'équitable dans tous les systèmes judiciaires. Donc, procès équitable, c'est vital car il protège les droits individuels et maintient la confiance du public en la justice. Voilà. Alors, on va terminer avec le portrait de Buena Vista Otoyebi. Buena Vista est un site touristique qui se trouve à Sebo, dans la commune de Mongafula. Voilà, Myriam Tokena, déjà Buena Vista Otoyebi, pour profiter de la vie en plein air. C'était au mois de décembre. Donc, le tour qui à Nekuna. On a accompagné des enfants à l'émission tout ça qui Buena Vista. C'était vraiment bien. Les enfants se sont amusés, même nous également, adultes. Vraiment. Alors, Buena Vista est un complexe hôtelier catégorisé
trois étoiles situé sur l'avenue Kabila numéro 24, au quartier Sebo, dans la commune de Mongafula, na Buena Vista. Ils ont un service ébélé et hébergement. Ils ont une chambre de luxe. On a visité des chambres de luxe. Ils ont visité qui a monté au visite qui la chambre. Il y a $200 par jour. Ils ont coûté à $50. Ils ont coûté 7 à le bini. Il y a $200 pour la jour manquant jamais. Bah, appartement meublé et Zakuna aussi, il y a de bureaux. On est mis au travail, on a un bureau, on a un reposer aussi là-bas. Il y a la restauration, la cuisine européenne, locale aussi. Service traiteur, on a un Ezali, il y a deux salles, il y a l'espace vert pour de diverses réceptions. Dans un apôtre anniversaire, qu'est-ce que c'est des bons, on a Buena Vista, aux appels apôtre, aux salles à demande d'un mariage, on a Buena Vista. Et c'est possible, il y a aussi des cours de natation, on a Buena Vista, parce que bazar la piscine, bah maître nageur, bazawana, l'espace de jeu pour enfants, et Zakuna, nous étions la fois passée avec les enfants, ils ont joué, ils ont dansé, il y a un terrain de foot, un grand parking et une salle de fitness en cours d'exécution. Voilà, Buena Vista. Et ben, ils ont terrain manquant, terrain, il y a Buena Vista, ils ont un petit monde de monde, ils ont des batteries, ils ont plate. Alors, ça, les forts Batonga, na terrain Wana, ils ont la formette. Après, si on a formette, moi, je suis que ils ont quitté. Et oui, voilà. Voilà, voilà tout pour Buena Vista. Il y a Boss Tchendo, Boss Jean-Pierre Tchendo, habillé, tout ça, il est portraité, il y a un héros dans l'ombre. Héros dans l'ombre. Mais quand on parle de Buena Vista, tout le monde est directement. Ah oui, hein, tout le monde a vraiment y est directement. Alors, Buena Vista est acquis opérationnel depuis décembre 2019 jusqu'à présent. Ça, toujours vous mêlez, hein. Ça là bah karaoke kuna na Buena Vista, donc ils ont vraiment site mort, ils ont parmi les meilleurs sites de la République démocratique du Congo. À ça les lomombe ya bien na commune ya Mongafula. Voilà tout pour les éphémérides de ce jour, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. Alors, nous allons déjà commencer à recevoir nos différents invités sur notre plateau. Alors, nous allons commencer par le sujet du jour, Myriam, ou bien l'invité du jour. Eh bien, invité du jour. On commence par l'invité du jour. Voilà, Giscard Timba, nous commençons par l'invité du jour. Nous allons le recevoir à travers la chanson que tu vas nous balancer. Hein. C'est quand même le week-end, n'est-ce pas? Bien sûr, nous avons droit à une musique. Et on va savoir, est-ce que l'homme est naturellement infidèle? Question mark. Voilà, alors la détente musicale avec Giscard Timba et nous allons recevoir notre première invitée de ce jour. Oh, God.
ma de coro du sapin mon mi mon marronou mon mazoukou hey, I don't work it out, I don't pray it out, I don't go make no fufa. I know there is a day, all my pains will go away. I know there is a day, all my pains will go away. See, then I smoke it away. I feel good, banana, banana. I'm a yummy mother, no, banana, banana. I feel good, banana. Baby, I'm a ghetto. Baby, I'm a ghetto. Manzi da gilo moto. My grace in the auto. Voilà, par cette transition, nous avons annoncé qu'il est l'heure pour le sujet du jour, n'est-ce pas, Myriam Koba? Bien sûr que oui, non, c'est ce matin. Rappelle à nos fidèles téléspectateurs notre sujet de cet avant-midi. Notre sujet croustillant, hein? Les hommes sont-ils naturellement infidèles? Question mark. La réponse avec notre invité de ce jour. Alors, nous recevons M. Serge sur notre plateau, Myriam Koba. Bonjour, M. Serge. Bonjour. Bonne santé. Santé. Bon début de week-end, M. Serge. Merci. Basangoni, nous sommes à ton Walelo. Bon, club, la race, c'est infidélité, quoi. Hey, c'est tu es là, oh! Nous avons infidélité, mais tu es au lobby d'un dépôt. Ça va, c'est savoir aujourd'hui. Moi, j'en ai après, tu n'as pas attaqué. Bien sûr que oui, carte d'identité. Alors, M. Serge, téléspectateur, on a mis ça. Bah, oui, comme de coutume, avant toi attaquer le sujet du jour, sur la carte d'identité, on a mis ça. Il y en a trois petites questions invité on va répondre. Comme nous avons dit, nous avons dit, alors, on répond aux questions du bossé, ça, nom complet, nom, poste, nom, prénom, ce qui est surnom, Pézali. Comme on les a dit, vote à Madiemba Serge. Surnom, ça bon, Serge Kaka. Ah, oui, surnom. Alors, notre deuxième question, notre question croustillante, état civil, Nayo, ta situation amoureuse. Bon, nous sommes mariés. Oui, l'amour, les choses de l'amour. Marié. À une seule femme. Bien, ah, à deux femmes. Bien, à deux femmes. Et moi, ça m'a rendu aussi, mon goût. Ça m'a rendu aussi, mon goût. Ok. Mais, ils ont rappelé la cause de ce qui a vous avez dit que quand vous changez moi aussi, ma canicie, quand je change mon bail, ma canicie. On a sujet du jour. Père de combien d'enfants? Six enfants. Six ans. Waouh! En tout cas, félicitations. Alors, dernière question, Isa. Profession à M. Serge Zané. Nazar, chauffeur. Ok. Chauffeur, Nazar, agent de l'État. Dans un ministère d'enseignement privé secondaire. Ah, ok. Merci beaucoup. Ah, ton gangue, on a mis le transport. Le transport sont embouteillés, c'est ça. En tout cas, ton gangue.
Voilà, merci monsieur Serge. Nous allons répondre à la carte d'identité. Nous allons c'est 10 pour foutre, c'est parti. Voilà, on ouvre le sujet de cet avant-midi. L'homme est-il infidèle naturellement ou bien de nature? Monsieur Serge, est-ce que vous pouvez répondre à la question, non? Bon, le problème de l'infidélité, ils ont un réseau belé. Hein? Ils ont un réseau belé. L'infidélité, monsieur Zara, où il n'y aura pas mon bali, même si Zara, suite à comportement, il y a moins sinaï. Bon, mais tu peux moi aussi avoir comme une infidélité suite à comportement mon bali naï. C'est ça? Suite à comportement mon bali naï. Si vous avez un fidèle ou ça fidèle, peu importe suite à comportement. Non, mon bolingo, mon petit oiseau n'a pas sa kimia. Même moi, c'est même mon. Parce que souvent, le problème est révélé à notre vraie nature. C'est ça. Donc, l'homme est infidèle naturellement. C'est quoi? C'est l'homme. Je suis mon bali. Hein, monsieur Serge, je suis mon bali. Alors, tu as besoin de point de vue personnel concernant étant infidélité à mon bali. Est-ce que moi, mon bali est naturellement infidèle? Et ça, dans ma circonstance, je suis comme il est infidèle. Non, quand c'est l'homme, tout de suite. Et ça, je me suis comme la rabisso. Ozaki na makanisi wana teke ozala infidèle pas moi si nayo ou bien pas mon bali nayo. Suite à comportement, il y a mon bali ou bien moi si et créé le corona. Alors, et ça la base mususu ozali nanda. Tant vous avez dans libanda comportement mususu. Tant beaucoup mon nanda ku après que bota bana alba comportement mugo et banzo monana. Alors, tant mon bali zana pour sa kimia. Mais vous voyez que ça mi bali mususu bazana kimia te nanda. À cause si ça la préfère que sa misère, même si on a pas amis naé, aïe kakalé, ça lui va besoin qu'il a l'aline naé. Mais qui m'a mon sous-souté au bambalou à la provocara pour et qui m'a pour les gens à l'anda, ce sont eux-mêmes les hommes qui provoquent cela, n'est-ce pas? Au yémité que yo moro provoqué, qui m'a zalaté, mon beau sani. La femme m'a n'a quoi n'a à mora zala à kokakolo baboété. Et du coup, façon d'ailleurs pour le bezalani, bah geste, a changé comportement, a commis kanda kanda, ou bien aussi ce cas-là, la maîtrise, elle va déconner elle aussi, n'est-ce pas? Parce que si on peut vite, tu as battu que pour la mi-côté là, la côté là, ben Bali, oui, bien. Ils se défendre à Kanda, on va bien se défendre à Kanda. Tout le monde doit se défendre à Kanda. Défendez-vous, défendez-vous! Dès la vie, maman, ils ont causé belé, ils ont ma cambo belé. Comportement à moi aussi et que je change mon bali pe macanisme. Comportement mon bali et que je change pe moi aussi macanisme. De son temps bien comme on nous a regardé. Monsieur Serge, je ne crois pas que depuis au bal la mer tissico yo nyonsezalara rose na rose. Donc c'est que ton mère a comment que s'est comporté ma bien Monsieur Serge Akindali Banda. Non, ils appellent un bon moté. Ils appellent un bon moté. La même chose tu n'as. Ils appellent un bon moté. Et ça, je m'apprends à mon tant que vous avez le choix, pour ça, le bateau, nous sommes tout le monde à paix, soit si c'est nous ça là, directement sur Winda. Ce cas où ça, la scalpe, c'est mon beau frère, aïe, ça, moi, c'était que t'es, n'a pas ami, boé, n'a pas ami, boé, c'est ça. Mais ça, monsieur, sur ma don, à rôle, il a perdu de temps, n'a pas ami, boé, pour éviter gaka. Bon, les amis, mon camongo et l'Arabie Saoudite, dans ma vie, nous sommes sous paix, infidélité, n'a pas ami, et ils ont quoi, rôle local. Donc, il y a des gens qui ont accroché à moi sur mon côté. Hey! Qui n'est qu'il là? Moni, à cause de moi sur mon côté. Ce que les alarmes, on est ça bon. Cassi, au point de ma bête. Au point de pour l'ennemi. Non! Mais tout sur le téléphone, moi, c'est un peu le vie. Et au cas où moi, c'est le haut, bassin, bassin. Beauté, beauté. Je suis un peu plus de temps. Moi, ça peut être raisonnement redouté. Mais bon, depuis que non, imperfection, mission sur ça, ben imparfait. Donc, tout ça parfait, ça a été. Donc, perfection, ça a été Jésus-Christ. Mais, il y a un défaut, il n'y a pas un défaut. Voilà, c'est quoi? Mais la relation est saine. Vous faites de votre mieux pour que ma relation soit bien ou bien. Alors, mais aujourd'hui, on a que malgré la qualité, ni en soi, malgré la qualité, c'est ok, oh, les relations sont représentées. Même si je suis satisfait de la relation, mais elles sont quand même infidèles.
quand même que gauche dans sous prétexte que il faut me caper ndunda me caper pondu. Est-ce que ma pondu ben ndunda nous demandons au représentant on était faut à la gauche droite gauche droite. C'est entre le bi oui. Et ça tu sais que ça la ma peau à mon licam. Mais ça nous a natir naïe. Bah toi bazali. Je suis fidèle à la couffe. Parce que yo za mabinga pina mabé. Bisso na soto za mabé. Ezana basi banu ko mibali, ezana mibali banu ko la basi. Mais to ya mibali liki. Non. L'équité. 60%. Et l'équité. C'est dans ma étude ya bato ebélé. Mo soza ka mo luli ya. O lingi biloka mo kili et continue pina mo ebélé. Comprendre? Ba possibilité mibali ko kanité. Yo za pousa ba makamu, mo bala lingi yo. Yo za pousa ba makamu bo, ele sumba na zoko ko atteindre un niveau ya ba makamu onété. Je suis un peu infidèle. Bon, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Alors, Monsieur Serge, en toute sincérité, entre l'homme et la femme, qui trompe le plus? Voilà, c'est ça même la question. Moi, si un Ndoumbande Azalaka. C'est-à-dire que l'homme. Infidélité, ils ont approuvé. C'est-à-dire que le roi Salomon, c'est-à-dire que David.
tozandenge moko ya malam baza ya mabe bazali voilà ya malam baza musu baza fidèle pas moi sinaye moi c'est baza fidèle pas mobali naye musu baza ma ezui ezui ai ezite ezite c'est donc kaka c'est donc mon kilo nzo tambole là mais nandenga conseil normalement voilà, mais c'est Serge, on va marquer une pause publicitaire et c'est à tout de suite. Tout de suite. Publicité. Découvrons tous ensemble ce qu'est l'application Dako App. Dako App est une application mobile qui facilite la recherche et la publication d'annonces immobilières en République démocratique du Congo. Comment s'inscrire et faire une recherche? Cliquez sur le bouton « Enregistrer » puis remplissez le formulaire et sélectionnez le type de compte de votre choix. Comment poster une annonce immobilière? Entrez dans l'application puis cliquez sur la barre d'ajout en forme de croix et remplissez le formulaire. Comment faire un appel en cas de recherche non satisfaisante? Cliquez sur la barre de menu, puis sélectionnez l'option « Faire un appel d'offre », puis remplissez le formulaire. Comment contacter un commissionnaire par appel ou chat? Sélectionnez un bien immobilier de votre choix, puis cliquez sur le bouton « Chat ou appel ». Dako App, l'immobilier dans votre smartphone. Journée riche en inspiration et motivation sous le thème « C'est décidé, je crée mon entreprise » lors du Business Day 2024, un événement incontournable pour les entrepreneurs. Notez bien la date du 15 juin dans votre agenda de 9h à 16h30 au Temple du Centenaire Protestant sur le boulevard du 24 novembre à Kinshasa. Venez découvrir des opportunités uniques pour se lancer et réussir dans les affaires avec Jean-Clément Diambilay, entrepreneur à succès et d'autres intervenants de renom. Au programme, cérémonie de lancement officiel de Diambilay Business Center, votre incubateur d'entreprise, présentation du programme de formation DBC Academia, remise des prix aux lauréats du concours de Business Plants, des stands et expositions pour les entreprises, des sessions de réseautage d'affaires, une pause café et un cocktail de clôture. Et c'est gratuit! Ne manquez pas cette opportunité! Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 840 93 49 88. Bonjour la salle. Bonjour. Nous allons apprendre le cours de la comptabilité. Chapitre 1er. S'il vous plaît, professeur. Oui. Nous n'arrivons pas à voir vos écrits sur les tableaux. Ah bon? Oui. Ah, vous avez raison. C'est un problème de craie. Silence! Prof Patou. Oui. Je constate que vous avez un problème de craie là. C'est vraiment énervant. Écoutez, ne vous compliquez pas la vie. Je vous propose la solution, les craies Mandico. Craie Mandico, craie des qualités supérieures fabriquées au pays en respectant les normes internationales. Dure, non toxique, moins poussiéreuse et clairement lisible. Pour toute commande, contactez les services commerciaux. Mandico, une pensée, un écrit. Découvrons tous ensemble ce qu'est l'application Dako App. Dako App est une application mobile qui facilite la recherche et la publication d'annonces immobilières en République démocratique du Congo. Comment s'inscrire et faire une recherche? Cliquez sur le bouton « Enregistrer » puis remplissez le formulaire et sélectionnez le type de compte de votre choix. Comment poster une annonce immobilière? Entrez dans l'application, puis cliquez sur la barre d'ajout en forme de croix et remplissez le formulaire. Comment faire un appel en cas de recherche non satisfaisante? Cliquez sur la barre de menu, puis sélectionnez l'option « Faire un appel d'offre », puis remplissez le formulaire. Comment contacter un commissionnaire par appel ou chat? Sélectionnez un bien immobilier de votre choix, puis cliquez sur le bouton « Chat ou appel ». Dako App, l'immobilier dans votre smartphone.
Une journée riche en inspiration et motivation sous le thème « C'est décidé, je crée mon entreprise » lors du Business Day 2024, un événement incontournable pour les entrepreneurs. Notez bien la date du 15 juin dans votre agenda de 9h à 16h30 au Temple du Centenaire Protestant sur le boulevard du 24 novembre à Kinshasa. Venez découvrir des opportunités uniques pour se lancer et réussir dans les affaires avec Jean-Clément Diambilay, entrepreneur à succès et d'autres intervenants de renom. Au programme, cérémonie de lancement officiel de Diambilay Business Center, votre incubateur d'entreprise, présentation du programme de formation d'IBC Academia, remise des prix aux lauréats du concours de Business Plans, des stands et expositions pour les entreprises, des sessions de réseautage d'affaires, une pause café et un cocktail de clôture. Et c'est gratuit! Ne manquez pas cette opportunité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 840 93 49 88. Et voilà, bon retour sur notre plateau après la page publicitaire. Alors, il est 9h passé de 30, 10h plutôt passé, c'est 11h, hein, 11h passé de 30 minutes sur notre plateau. Nous allons laisser l'antenne à Madame Ronta pour le compte du bulletin d'information de ce jour. Madame, bonjour Madame Ronta. Bonjour Nancia, bonjour Myriam. Comment allez-vous ce matin? Très bien, merci. On vous écoute. Voilà, bienvenue à cette deuxième livraison de la formation sur Mondico Télévision consacrée aux cérémonies de remise et reprise dans différents portefeuilles à Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre Duplan, a pris officiellement le levier de ses portefeuilles au cours d'une cérémonie de remise-reprise organisée le jeudi 13 juin 2024. Dans son discours, Guylaine Yembo a invité le cadre du ministère du Plan à travailler pour la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Regardez. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guylaine Yembo Mbouizia, est officiellement entré en fonction ce jeudi 13 juin 2024 au cours d'une cérémonie de remise-reprise avec sa prédécesseur, Judith Souminois, empêchée. Il a reçu le bâton de commandement de main de son représentant. Après la signature des procès-verbaux, le nouveau patron du plan a visité les installations du dit ministère. Au sortir, le vice-premier ministre, ministre du plan, Guylaine Yembo Mbouizia, a promis de travailler pour relever les grands défis du pays pour la visibilité du plan d'action du gouvernement. Bien évidemment, avec le PDL 145 territoires. Ce ministère est attendu pour que nous puissions ensemble délivrer un travail qui permettra la lisibilité de l'action gouvernementale dont nous avons besoin pour que nous puissions savoir exactement où va le premier centime que nous sortons de notre trésor public et nous permettre d'avoir une lecture à long terme claire de notre pays. Les grands projets, nous les connaissons. Le PDL nous attend, le pied ferme, le climat des affaires, vous le savez. C'est une question que nous allons travailler d'arrache-pied ensemble. Les problèmes d'investissement, vous imaginez très bien que nous devons permettre à ceux qui veulent choisir la RDC comme le pays de leur investissement puissent trouver un bon accueil et les aider, les accompagner de la bonne manière pour que leur investissement puisse trouver fruit et écho dans notre pays. Aux agents, les patrons du plan les appellent à travailler la main dans la main afin de jeter les jalons pour élever le défi. Pour les collègues du ministère du plan, vous aurez compris que nous allons tous ensemble travailler main dans la main pour que ce travail puisse se construire. Nous serons à l'écoute pour voir en termes d'état des lieux ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui. Et ensemble, nous allons jeter les jalons pour voir ce que nous pouvons améliorer dans le cadre de ce travail.
Il faut noter que Guilani Mbombouizia a également reçu le clé du véhicule. L'on pouvait voir la présence remarquable des cadres et militants du regroupement politique Action Audible pour la Bonne Gouvernance à ABG et ceux de la dynamique Guilani Mbo venus lui apporter leur soutien indéfectible pour cette nouvelle fonction lui accordée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. D'un ministère à un autre, la nouvelle ministre de la Culture et Arts, Yolande Elébé, a pris également officiellement ses fonctions le jeudi 13 juin 2024 dans la matinée au ministère de la Culture et Arts et Patrimoine situé sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe. Elle succède ainsi à Catherine Katungufura à la tête du dit ministère. Bijou Lumuna. Remise reprise ce jeudi 13 juin 2024 entre la ministre sortante du ministère de la Culture et Arts, Catherine Katungufura, et la ministre entrante, Yolande Elébé. Plusieurs artistes et personnalités du dit ministère étaient présents pour l'occasion. Après les formalités d'usage, la nouvelle ministre de la Culture et Arts a rassuré de poursuivre les efforts de sa prédécesseur et continuer à promouvoir la culture congolaise. En prenant mes fonctions aujourd'hui, je mesure pleinement la responsabilité qui m'incombe et l'héritage que je vais devoir porter en devenant la 54e ministre de la Culture de notre beau et cher pays. Soyez assurée, chère Catherine, de mon engagement à poursuivre les efforts déjà entrepris et à contribuer à promouvoir la richesse de notre patrimoine culturel, artistique et historique. Je voudrais également saisir cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour son combat inlassable en faveur de notre nation et pour la confiance qu'il a placée en ma personne en me confiant cette mission. Je remercie également Son Excellence, Madame la Première Ministre, pour sa vision gouvernementale structurée autour de 6 piliers de l'action du gouvernement et pour l'accompagnement indispensable qu'elle offre à nos équipes. À vous, chers collaborateurs du ministère, secrétariat général et membres des services spécialisés, je souhaite exprimer ma reconnaissance pour votre dévouement et votre professionnalisme. Vous êtes les piliers de cette institution et c'est ensemble que nous réaliserons les ambitions de notre ministère. Chaque département. Présent à cette cérémonie, Rokbo Kabela est membre du collectif des artistes et du culturel, n'a pas manqué de s'exprimer. C'est vraiment un motif de joie pour nous, parce que nous on a longtemps milité pour qu'on ait à la tête de ce ministère quelqu'un qui devait venir du monde culturel. Et voilà, alors c'est vraiment l'occasion pour nous de remercier le chef de l'État pour ce choix. Et donc nous lui souhaitons tous les meilleurs possibles, un fructueux mandat. Et si on est là, c'est pour lui témoigner notre soutien et notre accompagnement. Et là, pour avoir été là où on préparait, on concoctait des stratégies pour faire décoller ce secteur, elle était présente et donc elle a tous les ingrédients possibles pour faire décoller ce ministère, pour faire rayonner ce ministère et en faire un ministère vraiment, réellement régalien. Ce que nous souhaitons, c'est qu'elle puisse avoir les moyens de sa politique. Et notre souhait le plus ardent, c'est que l'on puisse revoir le budget alloué à ce ministère à la hausse pour qu'elle réussisse à mettre, à concrétiser tous les objectifs lui assignés dans le plan stratégique du gouvernement. Ce sont les différents défis, les différents défis auxquels elle doit prendre à bras le corps pour que les artistes et aussi la culture puissent rayonner. Sans compter notre souhait de voir le fonds de promotion culturelle faire réellement son travail, être redynamisé, c'est-à-dire que ça puisse donner des moyens aux créateurs pour faire la promotion de la culture. A noter que selon plusieurs acteurs culturels, Yolande Elébé est un choix judicieux
fait par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, étant donné qu'elle maîtrise des secteurs de la culture. Les défis à relever sont certes des tailles pour la ministre de la Culture. Il lui faudra mettre en place une bonne politique culturelle en vue de faire avancer ces secteurs souvent négligés. Et puis en réaction au programme du gouvernement présenté par la chef du gouvernement Judith Soumina Toulouka au Palais du Peuple, Francis Moulaja Kabamba, président du mouvement de patriotes pour la démocratie, MPD en sigle, ainsi que l'opposition congolaise tout entière se montre très sceptique quant à la faisabilité de ce programme d'action de ce premier gouvernement du second mandat de Félix Tshisekedi. Il était au micro de Léo Chilombo. Le gouvernement souminois peut-il soulager la misère du peuple congolais au regard du budget présenté à l'Assemblée nationale pour son plan d'action? Francis Moulaja Kabamba, président du MPD, estime qu'aucun changement ne peut être envisagé du fait de ne pas avoir priorisé le secteur clé. Non, je me dis que le peuple congolais devait être très déçu parce que je ne vois pas comment, je ne vois pas avec quels moyens Madame la Première ministre va créer des emplois, va planifier, diversifier l'économie du pays, va donner le pouvoir d'achat au peuple congolais là où il n'a pas terminé, n'a pas d'abord pensé au premier préalable qui est d'abord mettre fin à la guerre, créer, remettre l'état des droits dans ce pays, créer la cohésion nationale et parler d'une gestion intègre de la République qui veut dire que il devait donner un signal fort à deux points en ce qui concerne la gestion intègre du pays. Un, de présenter au peuple congolais la diminution du train de vie des institutions. Deux, mise en examen judiciaire de tous les détourneurs du gouvernement sortant. Malheureusement, on n'a pas senti Madame se démarquer dans ces choses-là. Et je vois ça très mal. Comment est-ce qu'il va arriver à faire ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de dire là? Donc le peuple doit s'attendre à des moments difficiles et difficiles. Audacieux ou pas, l'important c'est qu'on nous dise les 12 milliards, les 15, tout ce qu'ils ont fait dans le passé, cet argent a produit quoi dans notre pays? Au moment où nous vous parlons, Nous avons l'insécurité qui bat son plein dans ce pays. Nous avons ce que je viens de vous citer ici. Les peuples ne savent plus manger. Les taux de dollars ne savent pas se stabiliser. Parce que l'argent va où? Va dans la consommation des institutions et puis dans les détournements. C'est la fin de ces bulletins d'information. Je vous retrouve à 13h30 avec le même plaisir. Au revoir. Merci beaucoup pour le bulletin d'information. Il y a 20 minutes, Mobimba Hero. Déjà, tu es qui deuxième invité, peut-être aussi. En tout cas, directeur de programme Télé Bissot du Cameroun. Oh, yo, vraiment. Parce que, en tout cas, 20 minutes, n'a Bissot. Et ça a beaucoup consommé par le bulletin d'information, n'est-ce pas, Myriam Nkoba? Bien sûr que oui. Avant moi, je vous ajuste à l'autre. Tokati. Télé Bissot franchement. Voilà, bien qu'il est très important de nous informer, mais les 9h, même après mon dicodé, ça pourrait passer, n'est-ce pas? Voilà. Alors, mesdames et messieurs, on enchaîne avec le sujet du jour. Alors, vu que Bulta Liebisso tend, notre invité du jour va donner son dernier point de vue concernant le sujet du jour de cet avant-midi, monsieur Serge. Donc, conseil européen, ça va. Je vais m'encourager, ma B. Conseil européen, ça va déjà baser un engagement, basine à Bango. Boutique à la fidèle. Boutique à la fidèle, vous allez bien. Attends, moi, ça, c'est un comportement, ma vie, boutique à la fidèle. Mais il faut voir, parce qu'au niveau comportement, il y a un comportement aussi, en tout cas. Même si on n'a pas un gros lingamoté. Mais, tout ça va conseil. Jamais tu vois, qui bon, moi, ça, c'est ma boutique à la fidèle. Non, tout ça, c'est conseil, caca. Mais ça va. Bah, pratiquons déjà. Pratiquons la fidèle. Pratiquons la fidèle. Pratiquons. Voilà, alors saluer deux personnes, trois qui vous ont suivi, M. Serge. Bon, on a zopé Samboti Nabana, on a zopé Samboti Naba petit frère, Nanganyoso, petite sœur, tout ça. Rodrigue Pesazali, Caprice,
On a Rotrick. Après, c'est venu en beauté, Marcelo Jazz. Na ba client. Na Séraphin Molakissi. Na Séraphin Molakissi, sans oublier. Maman, alors merci beaucoup, Chofa. Chofa, vu l'épisode de Chofa, M. Serge, d'avoir passé, d'être passé plutôt dans Monticodé pour participer à notre sujet du jour. On espère vous recevoir la semaine prochaine pour un autre sujet. Merci, maman. Voilà, voilà. Alors, Giscard, nous allons recevoir notre deuxième invité du jour. Voilà, c'est à tout à l'heure. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Tu te maries, que tu fondes une famille avec n'importe quel autre homme que moi. Il me voit comme celui qui vient lui voler sa fille pour te retenir. Il abuse de ses droits. Je veux bien être gentil, papa, mais même toi tu peux pas nous bloquer. Donc on va parler d'homme à homme, car c'est ma vie là et tu m'empêches d'avancer. Je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. Voilà, mesdames et messieurs, c'est à travers cette très belle chanson que nous allons recevoir notre deuxième invité du jour, monsieur Nathan. Il est avec nous, très élégant. On rappelle les bisous, on rappelle les bisous, fait la titi. Alors, nous rappelons également la journée dédiée à l'activité Business Day au cours de la temple du centenaire protestant sur le boulevard du 30 juin. Business Day, cérémonie et lancement officiel des Diambila Day, Diambila plutôt Business. Donc, l'entrée est un endroit gratuit pour Nabao Balini, c'est faire former sur l'entrée. C'est lancer et réussir dans l'entrepreneuriat. Voilà. Alors, je dis un grand bonjour à notre deuxième invité du jour. Bonjour à vous, messieurs noir blanc. Nancia. Bonne santé. Ça va, bonjour madame Nancia et bonjour madame Myriam. Madame Myriam et bonjour aussi à notre cher téléspectateur, les amoureux de la grande chaîne Mandico Télévision. Voilà, avant tout intervenir, on a ce sujet du jour, Nabiso et Loïc, Misabiso, Nano, Nignamo et Kosa, là réellement, on a plateau, Nabiso, Nathan et Lélo. En tout cas, merci. D'abord, je dirais merci pour l'invitation de Bino. Et merci également à Bainos, Bainos, Bandaku. Je suis Nathan Mwamba, comme la dame venait à peine de dire, et je suis venu pour la compte à Ilonga Cosmétique. Alors, Ilonga Cosmétique, ils ont marqué la vie sur Yassika et ils ont rien d'autre que pour valoriser la beauté de la femme du monde. Ilonga Cosmétique. Ilonga Cosmétique. Donc voilà. Et Ilonga Cosmétique, ils ont bongo marqué Yassika. Déjà, le mot cosmétique, ça dit tout. Comprenez que, dans un premier temps, nous avons un produit Oyo
et où ils déjà en valeur, où ils ont présenté. Bon, la journée, il y a les 13, le 13 juillet, dans la commune, il y a Kassavou, dans la salle de fête, les roseaux, où ils ont mis bon, on a venu Lodja, numéro 42, sur croisement Gambela. Alors, ils ont les produits, où ils ont mis, na moana yamboka, bien sûr, mais des nationalités canadiennes, d'origine congolaise. Alors, bon, ils ont été des camarades déjà au Canada, pourquoi pas valoriser aussi la femme africaine, particulièrement la femme congolaise. Raison pour laquelle, alobi, na la peine pour implanter en haut, na katiyambo kanangai, yangwana, ezali déjà à na katiyambo ka présentation officielle en haut pour la bongo mukolo ya le 13. Donc ça sera un samedi. C'est quoi les biso ba produit? Vraiment, vraiment, vraiment. Ça bien. Moi quoi y a ba raison où tous les bengi sabino, vous avez déjà invité nangai, na tous les bengi sabino journée à le 13 na salle de fête les roseaux où ezali bongo na commune ya Kassavubu. Donc voilà. Mais na bengi sibino po boya présentation officielle na bala moko. Tu es bon, on va la produire bientôt, il y a des choses à répondre. Écoutez, le 13 vente et au salama sur place et mais aux anambo moko ya mukie. Vente et au salama sur place mais aux anambo moko ya mukie. Imaginez le moboye au ko zo ya mpo bino za basi boya valeur ba bleu ko ba maquillage, toza ba poudre libre pour na biso nyoso et tozali na ba ba faux de teint, aux ali na ba ba consoleur au bino boyebi bo c'est là vraiment mingi. Donc voilà ba blog za wana belé mais il y a qualité, il y a solo. Wow. Voilà oui bien ça va pour tenter ça moko ya ba raison o esali ke ilonga cosmétique a sala a zoape makanisi wana eza pour amikiko sali la mingi ba blog wana ya ngomoni ba bidon pourquoi ko bébisa bilongi ya ba mama boy. Yango bidon voilà, je dois maintenant entrer ce qui nous différencie des autres, esa naturalité na originalité. Voilà. Naturalité na originalité, mais prix aux alico. La qualité coûte cher, ce qui est vrai, mais allez-y comprendre que vous trouvez la qualité dans la quantité. C'est déjà de notre faveur. La qualité dans la quantité, donc là ici dans au son bango regretter mon temps bon on a été. Voilà. Je pense que vous avez tout compris. Ils ont uniquement pour la maman. Non, mais non, papa veut tout faire à la poudre. Il y a la poudre libre. Ah. On a parlé de poudre. Donc le 13 juillet, le prix est à la revue à la baisse. En tout cas, le prix est à la revue à la baisse comme pas possible. Comme pas possible. Il y a un déjà, ma maman, il y a un biso, ma maman, ba salon. En tout cas, vous profitez. Okay. Pourquoi pas revendeur, Baya. Pourquoi pas. Donc. Nous avons déjà une maquilleuse, pourquoi pas une maquilleur. Donc, boya, 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 journée à les 13 heures, et ça, on a pour un bisounios. Et ça, c'est un lancement officiel, bien pour former, pour savoir comment se maquiller. Bon, ils ont un cadre sur le projet, ils ont un cadre sur le projet pour la formation, mais dans un premier temps, les 13 et aux Alabongo, juste la présentation officielle. Oh, voilà. Okay. Répétez date. Et ça, on a date il y a le 13 juillet. Le 13 juillet, donc nous sommes au mois de juin, le 13 du mois prochain. Bon, on a quatre salles. Les roseaux, ils ont mis à Avenue Lodja, numéro 42, dans la commune de Kassavou, au croisement d'Avenue Gambela. Voilà, on serait là. Ils ont passé au bon matin. Ils ont passé au bon matin. Ils ont passé au bon matin. Les roseaux, ils ont mis à Tétala. Oui, bien moi. Ils ont mis à Tétala. Ils ont voilà. Voilà, donc ils sont concernés par Nyonso. Ils ont un salon de coiffure, Théo. Ils ont un grossiste. Maman, est-ce qu'ils ont un salon de coiffure? Molinga boto moni te o te crayon na wana to za ba crayon ya qualité qui te ben na lobby hein, c'est certifié par des spécialistes canadiens. OK, donc bat boza de suite. Oh là là, moi na mboka webi ya pas ces amis, ya pas ces arts bat bolinga ropé sa confiance mingi na batu ya libanda. Qu'est-ce que vous avez la qualité? Ça, c'est la qualité. Moi, je suis un peu plus de moi, tu sais, l'amour diminue déjà les intérêts. Moi, je suis un peu plus de l'amour diminue les intérêts. Yeah, so là où il y a l'amour, il y a l'intérêt. Moi, je suis un peu plus de moi, je suis un peu plus gravité. Parce qu'il y a l'amour, il y a l'intérêt diminué. Donc, on a pour ça, c'est ça, bolingo. De nemo na mboka pesimo tema mobimba pona o servir bana mboka nae. D'accord.
Il y a encore à dire. Oui, bon, mon cas, elle est très. Je suis mis ma fond des tontiers bouillis. Je me mets ici. Vraiment, vous ne serez pas déçu. N'a pas mascara, Zali. Bah, rouge à lèvres, Zali. Donc voilà. Bah, rouge à lèvres, Zali. Bah, mascara, Zali. Bah, poudre libre, Zali. Bah, en tout cas, bah, créer Zali. Voilà, venez. Bah, c'est plus que c'est belé. Ah, ok. Pourquoi vous êtes déjà invité dans le brouillard? Tout le monde raconte un petit peu de. Ah, ok. Alors, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à Ilunga Cosmétique? En tout cas, tout ce que je pourrais dire, c'est que Zaraké, Batoubaïa, Baya vraiment ébélé et Baya vraiment ébélé Barosa de Suté. Ilunga Cosmétique, Oezali Bongo, conduit par la grande dame Alice Ilunga, que j'ai sali à passant, je suis sûr, et j'en suis sûr que Azola Ndabi soit en direct. Et en tout cas, Boya ébélé Barosa de Suté. Et voilà un peu ce que je pourrais dire pour ce sujet. Voilà, alors on ouvre notre sujet du jour, n'est-ce pas, Myriam? Il faut aller capter la carte d'identité. Ah, c'est quand même. Mettons qu'à chouchou, habite au menacé, tout menacé, tout le monde. Et c'est que nom, poste, nom, prénom, ma surnom, ce que ça. Comme je venais à peine de dire, je suis Messier Mwamba Nganza Nathan. Monsieur Mwamba Nganza Nathan. Et communément appelé la conscience de bien faire. Eh bien sûr. Voilà surnom. Voilà surnom, la conscience de bien faire. Voilà. C'est quoi, état civil, ta situation en tout cas, état civil, je suis célibataire. Mm-hmm. Célibataire, mais père de deux enfants, voilà. Maman Za. Maman Zali. Oh, amour, amour. Maman Zali. Point d'interrogation fidèle ou infidèle. À ce qui vous avez parlé de mes enfants, mais je peux les saluer maintenant. Oui, au salon, Nasuka. Parce que j'aime bien mes enfants. Est-ce qu'on professionne, hein, monsieur Nathan? Bon, voilà, je suis journaliste. Ah, notre confrère. Voilà. Aéco Mythica. Alors, merci, voilà. Monsieur Nathan. On répond à la carte d'identité. Non, c'est attaqué. Merci. Voilà, sujet du jour. Okay. L'homme est-il infidèle? Est-il naturellement infidèle? La réponse. C'est une question. En tout cas, rapport à la Bible, dans le livre des. Évangile. Hey, Allez, Ebanda. Éphésiens 5, 25, je crois. La Bible nous dit. Marie, aimez vos femmes. Nabi qui est troublé, moi, qui est Marie. Marie, on est en pluriel. T'as la bonne. Osa la Bible, non. Marie, on est en pluriel. Bible, on te combien. Marie, aimez vos femmes. M-A-R-I-S. S'il vous plaît. Oui. La Bible nous dit Marie, aimez vos femmes. Vous devez déjà comprendre que l'amour. Naturellement, n'est pas dans l'homme. L'homme, on l'a juste demandé d'aimer. Mais pourquoi chez la femme, on a dit juste que la femme, soyez soumise? Parce que la femme, naturellement, est amoureuse. Ça dépend. Après ça, caca, il y a un retour au moins sur Pessaï. Je peux m'expliquer. Merci beaucoup. Jusque là, non, 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 comité. Non, 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 non. Donc, nous avons dit que 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 nous avons dit
Attends, mais c'est ta femme n'est pas limoué au côté. Oh, mais c'est une recommandation, non? C'est une recommandation, c'est la recommandation. C'est la comme il veut. L'homme n'est pas permis à être infidèle. L'homme n'est pas né mauvais. D'accord? Et ça, société n'est pas. Alors, je vais dire ceci. Comme je l'ai dit tantôt, que l'homme a pesa ka oyo moi si a opesa. Et alors, mon bal moro boy, azo vivre na moi si naye, nandaku. Au Bali, Azarané tendreté. Tu peux savoir exemple, Anna. L'homme n'est pas tendre, l'homme n'est pas, ne manifeste pas trop tout ce que la femme cherche réellement de l'homme. Et, mais moi, si Azarané est fort, moroté, il y a relaxé au Bali, que voilà, moi, j'aime bien ça, j'aime bien ceci, j'aime bien cela. Mais bon, qu'est-ce que vous attendez de lui? Réellement. Les cas sont différents si les maris pensent, voilà. Pas que c'est différent parce que on remarque aussi dans certaines relations la femme donne tout, mais contrairement l'homme est toujours infidèle. Ça dépend. L'infidélité de l'homme dépend de la manière au moins sur Mimélaï. Au moins ça comme Mimélaï. Oui. Ok. Alors Monsieur Nathan est fidèle. Bien sûr, mais c'est Nathan fidèle. Je salue ma femme et ma copine, j'allais dire, ma proposante. Mais c'est fidèle à quoi? Non, l'obi. Mais pas à toutes. Non, l'obi. Mais pas selon certaines sources. Selon certaines sources, mais il ne faut pas oublier et que l'exception ne manque jamais. Et nous autres, là, nous faisons partie de l'exception. Ah, donc, exception, Ezali, voilà. Mais naturellement, l'homme est infidèle. Si qu'on a pas haut, mais et pourquoi c'est mal homme? Ok, très bien. Si qu'on a battu au Bazala infidèle, est-ce que il est vraiment important d'avouer son infidélité à sa femme? Et c'est déjà, il a déjà manqué à respect. Il y a quoi avouer? Hey, manque à respect. Yoka, je vais dire quelque chose. Nous on fait ça ma soumne. On a Bible. Barbara, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Oh. Alors, ils ont une infidélité. Mais déjà, un homme qui respecte sa femme, a avoir une bêtise au sein de l'Iban de Païa Moissinaïté. Ils ont manqué à respect. Ils ont manqué à respect. Ils ont vie professionnelle. Ils ont vie professionnelle. Garde ça pour toi. C'est-à-dire, apprends à mettre ta femme à l'aise. Non, mais ce n'est pas interdit de pas avouer infidélité. Ça, ça devient intéressant. Ouais. Ils ont recommandé aux hommes de ne pas avouer leur infidélité. Ce n'est pas réellement ce que j'ai dit. Naï, personnellement, dans l'Inga Bible, il n'y a pas besoin de voir Naï. Oui, oui, oui. Il y a un fidèle. Voilà. À tout fait, le fidèle est là. Mais c'est fidèle là. La fidélité. Mais c'est fidèle est là. Bon, on a dit, mais c'est fidèle. Bon, on a dit, moi, on a fidèle, mais c'est Nathan. Quand on parle de la fidélité, on voit déjà moins. Oui, voilà, alors la régie nous fait signaler que nous sommes arrivés à la fin de notre petit déjeuner. Mondico Day, M. Nathan, un dernier mot et saluer. Déjà à la fin. Merci beaucoup. J'ai dit comme ça, merci d'abord pour votre invitation. Merci à Mme Nassia ainsi qu'à Mme Myriam, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci. Merci vraiment. Et à pour Doudou votre... cette noix. Doudou, merci beaucoup. Doudou cette noix. Je vous salue. Là, c'est mon maestro. Hein. C'est notre Doudou. Ok. Cette noix, je vous salue, Père Massamba. Merci beaucoup. Merci également à quelqu'un qui me suit maintenant en direct. Il s'agit de mon boss, Yann Selek. En tout cas, là, je vous appelle et je vous annonce déjà. Et le boss Yann, il est bien bon. Le boss ou le patron, le DG de la grande entreprise, Selek, entreprise Selek, Ezali Bongo, entreprise Oyo et Elibiso, sécurité Mirail. Sécurité Mirail, Ezali Bongo na mboka bapaya, mais aye ko implanté yango awa na kati ya mboka na biso, uniquement na souci ya ko valoriser kaka sécurité na biso. Avec Selek, Ozai Sousna Poussa, il y a agent de sécurité. Merci beaucoup, je dis comme ça, je salue à passant ma fille Belgrasse Mwamba ainsi que à Jojo Mwamba. Merci.
Voilà, merci beaucoup, monsieur Nathan le fidèle. Myriam Goba, ton tour. Oui, bon, le sujet un peu sur le moyen aussi, c'est en mode si monsieur Nathan pourrait revenir le lundi pour. Bien, nous. En tout cas, on a préparé Mandouke Bélé. Nous avons dit que nous avons mais nous avons encouragé l'infidélité. Merci, monsieur Nathan. Alors, je salue également Elvie Koutoumbana, mon amie, je te salue, et ma petite sœur Keren Kabedi et mon oncle Merdi Salakouakou. Je vous salue. Voilà, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Nelly Binoboza, toujours fidèle à ce programme Mandy Codé. Alors, nous souhaitons heureux anniversaire au docteur Cédric. Hein, docteur Azala, toujours à l'écoute. Il y a un malade naïe. Hein, ça, c'est vraiment un très beau cadeau. Bisous, Kotozo, prescrit. Un bon cadeau, un bon souhait. Il y a un moyen de la part de Mandy Codé. Ah oui, joyeux anniversaire. Au mixeur, toujours. Ma vie. Yabatou, heureux anniversaire également à M. Samuel Kida, alias Papa Chouga. Voilà, heureux anniversaire, Zama Pangolao. Oumela, réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Heureux anniversaire aussi à une très belle femme, elle s'appelle Jackie. Donc, Oumela vit longtemps. Sois heureuse dans ton couple. Donc, Sambela pour que Papa soit toujours fidèle. Voilà. Alors, merci à la grande équipe technique Yvon Tibangou. Merci à Passion Boutamion. Merci à cette Merci à Mme Zonzo. Voilà, Mamba, monsieur Jean Kassonga, le plus fidèle, monsieur Marco Sopé. Monsieur Mamba Christian aussi, le plus fidèle. Le plus fidèle. Et les autres, les infidèles. Bye bye. Bye bye. À lundi.